là, je viens d'atterrir à l'aéroport de Rabat. On est parti. Hey, salut toi, comment ça va? Bah écoute, aujourd'hui je suis au Maroc. On va faire une formation de freestyle et donc du coup je profite un petit peu pour me reposer juste avant d'attaquer la formation qui va être dans 3, 2, 1. Là, on a fini la première partie de la journée, on va aller manger un petit coup et puis après on revient, on va bosser encore un peu plus. Let's go. Montre les grillades. Mange, mange, mange. Mais t'as pas de stress. Là, je te filme, mais t'as aucun stress. Coucou. The spikes. Yes. Et là, du coup, ils sont en train de bosser un petit peu sur les exercices que je leur ai donnés. Il y a vraiment pas mal de bons freestylers qui sont quand même ici au Maroc, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment compris pas mal de choses que j'ai demandées et puis je suis vraiment content parce que vraiment ça bosse. Test step maintenant. N'oublie pas la différence entre le test step et le step. Excellent. Encore répète. Go.
Petit coucou pour la caméra. Le gros débrief. Excellent Sophia, très très bien. Petit sourire pour la caméra. Oui, go go go. Donc du coup la formation est terminée pour aujourd'hui, on va aller manger tous ensemble et puis bah on va se retrouver demain pour la nouvelle journée. La formation est très intéressante. J'étais fière de passer cette journée avec vous. J'ai appris beaucoup de choses, surtout la pédagogie, la variation et la variation des pas. Et en plus, c'est la communication pour attirer et faciliter le suivi par les clients. Merci beaucoup. Donc là, je leur ai donné un petit exercice de travail qui nécessite pas mal de réflexion sur donc, la création chorégraphique, les blocs symétriques et les blocs asymétriques. Et puis là, ils sont en pleine phase de réflexion et de travail. On va voir ce que ça va donner comme produit juste après.
flipping the border with you through it all. Winter to the fall, you just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Alors là, juste là, là, c'est les petits Sam. Oui. Elle, elle me fan tous les jours sur YouTube. Donc pour vous dire tous les jours, c'est genre ça fait un an et demi, non-stop, tous les jours, tous non-stop. Les matins. Tous les matins. Chaque matin, je me réveille sur Marco. Donc au moins, comme ça, vous savez, c'est lui qui a personne qui fait toujours first. First elle. Like, c'est moi. C'est tout... Donc soyez pas jaloux. Non. Alors donc pour tous mes amis marocains, si jamais vous cherchez une coach... Quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, c'est elle. Attention. Donc, je compte sur vous. Hein. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un, elle, elle va faire. Vraiment, ça sera le futur du freestyle marocain, j'imagine. Hein. C'est sûr. Hein. Courage. En premier lieu, merci beaucoup, Marco. Vraiment, c'était la formation très riche. Merci pour vos informations, votre encouragement. C'est grâce à vous on va faire plusieurs choses qu'on n'a déjà pas connues du tout. Donc, je trouve la formation est très riche, très fructueuse. Je trouve la formation très riche, très fructueuse. Et voilà. Comment tu as vécu la formation? C'était passé très très bien grâce à vous. C'était riche en informations, riche en émotions, c'était émouvant un peu. En fait, on a appris beaucoup de choses, beaucoup, on s'est basé sur les trucs basiques, après on les a modifiés avec de notre style. Après, je voudrais vous remercier pour votre effort, pour tout, et merci beaucoup. Et à la prochaine, inchallah. قلنا استفدنا بزاف وعرفنا بزاف ديال الحوايج في ايروبا كنا عارفينهم nous avons beaucoup appris des concepts nouveaux concepts par rapport à l'aérodance qu'on ne connaissait pas avant. الطريقه في الشرح ديالك باش توصل الفكره سهله notre façon d'expliquer et d'introduire la méthode pédagogique est très facile et on l'a suivi sans problème. Grâce à votre patience et votre dévouement, on a pu apprendre beaucoup de choses et vous nous avez mis à l'aise, donc on était vraiment à l'aise et très réceptif. Je suis très satisfaite et je ne regrette pas tout le chemin que je me suis faite. En plus, j'ai ramené ma petite fille avec moi parce que j'ai cru et je savais que c'était intéressant et que ça vaut le coup et ça vaut le déplacement. J'ai appris beaucoup de choses, même si on m'a dit bien avant qu'on apprend, mais le vécu et j'ai vécu cette expérience, ça c'est enrichissant et ça vaut le déplacement, ça vaut le coup de participer à cette formation. Et j'ai pas pu laisser ma fille parce que ça vaut le déplacement, je répète que je regrette pas. Bon, bon.
je m'appelle Wijden. Hier et aujourd'hui, on a fait une information sur l'aérostep et l'aérodance. C'est une information très importante. On apprenait beaucoup des idées et on a. C'est-à-dire que pendant 2 jours, seulement en 2 jours, on a appris beaucoup de choses, trop d'informations, surtout pour nous les débutantes. Et alhamdoulilah, grâce à vous. Merci beaucoup. Grâce à vous, on a appris beaucoup des informations et des idées qu'on ne peut pas. Il ne peut pas quelqu'un dans les clubs ou les salles qui nous donne ces idées. Merci beaucoup. Ravi de vous reconnaître. Au revoir. Bye bye. Merci. La première des choses, déjà, je te remercie. Vraiment, en te contactant, je ne m'attendais pas à ce que tu nous apportes et tu apportes aux nouvelles coachs toutes ces méthodes et toute ton énergie. Tu vois, tu leur as donné tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est sensation, tout ce qui est expression et tout. Donc, si tu as remarqué, ils ont bien, bien évolué au bout de 2 jours. Et ça, c'est une chose que plein d'autres personnes n'admettront pas et ne croiront pas, parce qu'ils vont se dire une formation 2 jours, est-ce que ça va nous apporter ce dont nous avons besoin ou vraiment c'est du blabla. Là je leur dis, c'est vraiment très 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 riche. Merci beaucoup, et je continuerai toujours à travailler avec toi parce que je suis sûre et certaine que ça va nous apporter ici au Maroc beaucoup de choses en freestyle. Merci. Et voilà, du coup, on vient de finir la formation. Là, je vais rentrer un petit peu à l'hôtel, je vais récupérer un petit peu et puis je vous montre encore quelques petites images avant de décoller. Allez, une petite visite de la chambre. Donc là, je suis à la terrasse avec la petite vue sur la piscine. Ici, c'est mon lit avec mes affaires, mon équipement, tous les petits trucs que j'ai besoin lorsque je voyage. Une télé dont je m'en sers absolument pas. La salle de bain. Pareil. Donc le freestyle, c'est une discipline assez exigeante. À chaque fois que je vais aller donner des formations, soit dans les différents pays ou tout simplement dans les différentes villes en France, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'étapes à maîtriser avant vraiment d'être capable de donner des très très bons cours. Moi-même, à chaque formation, à chaque fois que je me déplace, j'apprends beaucoup de choses d'autres présenteurs ou d'autres professeurs. Et du coup, ce qui m'a vraiment impressionné dans cette formation-là, c'est de voir la progression de certaines jeunes filles qui venaient seulement découvrir le freestyle, qui à la fin de la formation étaient capables de donner un cours, on va dire, plutôt correct. Après, il y a toujours, bien sûr, les petits problèmes de concentration, le fait qu'il y a des passages devant des autres personnes, mais en soi, j'ai pu voir vraiment une petite évolution. L'autre avantage aussi, c'est qu'ils sont très bien entourés. Latifa qui fait un très très bon travail au Maroc. Je voudrais vraiment lui remercier par rapport à ça, parce que d'une, pour m'avoir appelé, pour m'avoir fait confiance pour cette formation, mais aussi du fait qu'elle travaille, elle, déjà de son côté pour relancer un petit peu la discipline du freestyle au Maroc. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Beaucoup de ces jeunes filles que j'ai pu voir vont faire dans l'avenir aussi du bon travail. Je parle notamment de Kautar, de Sofia, de Samira qui ont déjà fait une formation avec moi déjà la dernière fois, qui sont revenus un petit peu revoir sur du aerodance. Ahlam qui, elle, de son côté, aussi fait du très très bon travail du côté de Fès. Donc c'est vraiment des jeunes femmes qui vont porter le freestyle de demain ici au Maroc. Et je pense que les responsables de clubs dans le Maroc, ils devraient vraiment chercher à trouver ce genre de coach, ce genre de personnes qui ont cette capacité à développer le freestyle. Parce que si vous développez une discipline dans un pays, ça peut rapporter beaucoup. Donc j'espère vraiment, la prochaine fois quand je viendrai, voir encore plus d'évolution.
Et j'espère surtout que ces futurs coachs vont pouvoir s'exprimer à leur plein potentiel dans les clubs de leur choix et avec des personnes avec lesquelles elles souhaitent travailler.